La présente rencontre se veut périodique pour évaluer l'état d'avancement du plan d'action 2019-2023 de la CEDEAO pour le retour des biens culturels africains à leur pays d'origine. L'initiative vise à mutualiser les efforts des pays membres pour la promotion, la défense et la valorisation des cultures des pays membres de l'institution. À ce jour, beaucoup d'avancées sont réalisées tant au Bénin que dans d'autres pays de la sous-région en matière de restitution de biens culturels. En plus des succès engrangés par le Bénin, le Nigeria vient de remporter également une victoire, pas des moindres, en matière de restitution, avec la remise par l'Allemagne de plus de 1000 objets de bronze de Benin City. Tous ces succès s'ajoutent à la restitution au Sénégal par la France de l'année dernière du sabre dès l'âge au martal, ainsi que quelques restitutions symboliques dans quelques États membres. Tous ces faits favorables à la région donnent des lueurs d'espoir pour un retour massif de nos biens culturels illégalement exportés et qui se trouvent hors du continent. Au cours de cette rencontre préparatoire du Symposium international sur les restitutions prévu en octobre à Dakar au Sénégal, il est attendu des participants de propositions concrètes. Les efforts faits par la CEDEAO pour le renforcement du cadre juridique et le renforcement des capacités des experts et ceux des autres États membres nous conduisent à un élan appréciable pour réclamer nos biens hors du continent. Avec la présente réunion, chers membres du comité régional, vous aurez l'occasion d'approuver les thématiques ainsi que la planification du symposium international sur les démarches de restitution des biens culturels, d'identifier des partenaires internationaux pouvant apporter un soutien technique ou financier au symposium, de proposer un plan de partenariat avec les ambassadeurs de la CEDEAO à l'UNESCO, d'examiner les termes de référence de l'inventaire des biens culturels à l'étranger et, enfin, de soutenir la mobilisation des ressources pour financer le plan d'action sur le retour des biens culturels. Au-delà des deux jours de travaux, il est prévu la visite de l'exposition des 26 trésors royaux restitués au Bénin par la France.